Et bonjour à tous. Bonsoir. Voilà, parce qu'on est deux. Donc, épisode numéro 2 de Quoi de neuf docteur. Et on va faire un épisode plus court parce que on va dire la vérité. La cuisine, quand on vous donne des temps de préparation et qu'on vous l'annonce à 25 minutes et qu'en fait ça prend 1 heure et demie, je sais pas. Les gens qui annoncent les temps de préparation. Combien de sbires préparateurs de nourriture ils ont? En tout cas, si je devais couper aussi vite qu'il fallait pour que tout préparer en 25 minutes, je serais bon à jouer dans J'ai perdu mon corps. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est un dessin animé où il y a le personnage principal qui perd sa main, qui se coupe la main. Bon, bref, c'était une blague un peu glauque. Pas pour petit enfant. Et voilà, c'est un dessin animé, mais c'est pour adultes. Dans le sens, bon, pas adultes comme vous le pensez, mais c'est pas pour les enfants. Voilà, on s'enfonce. Bref, c'est un bon début de stream, tout ça. Alors, donc, le but d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va toucher? On va tout simplement refaire vite fait ce qu'on avait démontré la dernière fois, mais en version accélérée. Donc n'hésitez pas non plus, s'il y en a qui sont là et qui écoutent, à dire si on passe un peu vite sur certaines choses et si vous dé un détail de certains passages. Mais en tout cas, on va faire la version accélérée des équations, on va dire ça, de ce qui s'applique sur un cycliste sur le plat en montée et en descente. Et on va faire la descente aujourd'hui. Donc j'ai un peu spoilé, mais on va faire la descente qu'on n'avait pas faite la dernière fois. D'où le titre. Parce que la descente, c'est un peu spécial. Donc voilà, donc c'est un peu plus court que ce qu'on avait fait, mais c'est pas grave, on aura plein d'autres prochains streams pour parler du reste. Et normalement, si je fais ça, magie magie, sur le stream, avec le retard, voilà, ça affiche Jamboard, donc c'est parfait. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Si vous n'avez pas vu la vidéo, comme ça c'est très bien, et si vous avez vu la vidéo, c'est très bien quand même, ça fait un rappel. On avait vu deux situations. La première situation, c'est. Alors, je vous jure que ça, c'est. Alors, attendez, je vais refaire. C'est C'était du censé plat. être plat, voilà. C'était censé être plat, mais c'est. Il est tard. Donc, sur du plat, un cycliste, toujours cubique, parce que Trésor, juste. toujours très aérodynamique. Toujours archi aérodynamique, effectivement. Et toujours. Donc, on fait un. On est toujours dans la situation où le cycliste essaye de maintenir sa vitesse. Et donc, on fait tout simplement le bilan des forces qui s'appliquent sur lui. Et donc, il y en a plusieurs. Encore, on Dans son part de la centre de. situation où il y a déjà une vitesse. Il est Il déjà, est en effectivement, route. il est en route, tout à fait. Il se déplace vers la droite. Ça, c'est le sens du déplacement. Pas facile, mais. On va y arriver. Le sens du déplacement, c'est par là-bas. Et alors du coup, sur son centre de gravité, verticalement, s'applique son poids. Et en réponse à ça, la force normale du sol, donc la réaction normale qu'on note grand N généralement, c'est tout simplement le sol qui applique une force perpendiculaire. Du coup, à lui-même, hein, Égale et de force opposée à la force avec laquelle le cycliste et son vélo poussent sur le sol. C'est ça, C'est le exactement. principe de l'action et de la réaction. Action-réaction. Donc le sol permet au cycliste de ne pas s'enfoncer. On avait les forces de roulement, ou appelez ça comme vous voulez, c'était les forces au niveau des roues, la friction au niveau du sol, qui est, on l'avait dit. Alors, du coup, j'aime pas écrire ça, mais voilà, tant pis, hein. On va faire les notations physiques, tant pis, ça fait un peu moche. Bah, c'est la version correcte. Moche dans le sens, c'est pas assez simple peut-être pour les gens qui n'ont jamais vu ces notations-là. Les deux barres autour, c'est juste pour dire quand on parle de la valeur numérique. En gros, le symbole avec le vecteur, ça indique qu'il y a un sens, etc. Donc la force va vers l'arrière du cycliste, etc. Quand je mets les deux barres autour, c'est la valeur numérique en gros, combien? Et donc, c'est égal à. Si je dis plus de bêtises. Non, il n'y a pas de G dedans. C'est M fois.
M fois quelque chose. C'est une constante qui dépend un petit peu de la force de friction la force de friction des roues. Et tout simplement, donc elle est proportionnelle au poids du cycliste. Et elle c'est faut une constante qui dépend de notamment de à quel point la roue est lisse ou pas crantée, à quel point ça va accrocher, etc. Donc, ah oui, c'est plus dans le document, je l'enlève au fur et à mesure. Donc, attendez, je l'ai peut-être. Je l'ai peut-être si j'ouvre une autre fenêtre. Je l'ai peut-être encore quelque part. Sur celui-là, sur celui-là. Non, on l'avait effacé. Tant pis pour nous. On l'avait effacé. Remets-le. Laisse ça. Si tu veux un écran en plus, il faut ton ordi. Du coup. Et j'ai toujours remis G au lieu de mettre M. Donc on a dit que c'était dépendant de la masse du cycliste pour une constante. Et du coup, en fonction de. Voilà. De si la roue accroche ou pas. Et ici, c'est une constante. Et du coup, c'est. Comme ça, c'est très tout petit. Généralement, cette force-là, elle est quasiment négligeable. Et la force principale qui s'applique ici sur la face très aérodynamique de notre cube, c'est la force de friction, donc tout simplement l'air qui nous ralentit notre cycliste. Donc vous êtes la poire au vent et que vous êtes à l'avant de votre groupe et que vous prenez plein, plein vent. Et bien, tout simplement, vous prenez une grosse force que l'on va noter F, FD pour le drag coefficient en anglais, généralement. Donc, et on avait vu, l'autre fois, on avait dit que FD, c'était une constante, parce qu'on avait simplifié, et on le détaillera. Alors, on pensait le faire ce soir, mais du coup, on n'aura pas le temps. Donc, on veut aller au lit à une heure raisonnable, donc on le fera la prochaine fois. Donc là-dedans, il y a le fameux terme CD fois A que pas mal de cyclistes connaissent, et du coup, qui dépend du coup de l'aérodynamisme de votre objet, donc de votre cycliste, et de. Voilà. Du vélo. Et du vélo, tout à fait, de la forme du cadre, etc. Sa capacité à évacuer l'air, à ne pas. Casser l'air, fois l'air du cycliste plus de son vélo, donc ici, la surface frontale exposée au vent, si vous voulez. Et on avait vu que c'était proportionnel à la vitesse relative du cycliste par rapport à l'air au Carré. carré. Par contre, les barres verticales sont sur le vecteur passion. Tout à fait. Bien vu, je suis fatigué. Il y en a une qui suit, donc le directeur sportif qui me dit que je suis en train de fumer. Voilà. On connaît vraiment pas fumer, mais... Mais vous fumez, monsieur. Donc, c'est ça. Hein. Et juste petite précision en arrière, puisque je suis la Madame Corrige. Pour la force de friction roulement, en fait, c'est un coefficient qui est spécifique effectivement aux roues et au sol sur lequel on roule, fois la force normale. Et donc, la force normale, dans notre cas, elle est égale au poids, ce qui fait mg. Ok, La donc il y avait masse quand du même un G du cycliste, coup. Ok, il y avait un g. ça marche. Et d'ailleurs, puisqu'il y avait un g, non, en fait, non. J'allais dire qu'on pouvait l'écrire de manière vectorielle, mais en fait, pas du tout, parce que la force de friction, elle est parallèle au sol, alors que la force normale est perpendiculaire au sol. Yes. Ok. Donc j'avais pas fumé. Donc c'est un truc proportionnel au. Au À la poids. réaction À normale, la force ici, normale, à la oui. force normale, tout à fait, qui est ici, donc qui est égal à mg, voilà. Et donc on avait vu l'autre fois, hein, donc la force que doit exercer le cycliste pour maintenir juste sa vitesse doit égaliser du coup toutes les forces qui le retiennent vers l'arrière,
Donc le bleu et le rouge, donc le vecteur vert doit être égal au rouge plus au bleu. Donc là, en vertical, ça bouge pas, hein. Le poids et la force normale se compensent. Et donc on avait vu l'autre fois que on avait fait toute une série d'équations, et voilà, on s'était retrouvé avec tout simplement, on avait négligé ce terme bleu, parce qu'à très grande vitesse, en fait, ce terme-là va être relativement petit, parce que ici, la force de friction, elle augmente avec le carré de la vitesse du cycliste par rapport au vent. Donc, on s'était Le fait. retrouvé tout simplement avec la force que vous devez pousser égale à K fois A, donc une constante, fois votre R que vous exposez au vent, fois la vitesse au carré. Et le fait que la force de friction en roulement est négligeable par rapport au reste, c'est un résultat empirique. Ça peut pas être démontré juste à partir des équations. C'est juste que en regardant des cas réels, on voit que pour les vélos d'aujourd'hui et les routes d'aujourd'hui, cette force de friction est beaucoup plus petite que toutes les autres forces qui entrent dans cet équilibre. Si vous vous rappelez, on avait montré ce site-là sur Internet, Gable, qui faisait à peu près ce travail, qui avait mis des valeurs numériques grâce aux équations qu'on vient de détailler. Il nous explique pour chaque valeur de vitesse, en gros, ou par, enfin, quelle est la force contre laquelle vous luttez. Donc lui, il avait converti ça en puissance. Parce que c'est des unités que. Enfin, les cyclistes sont plus habitués à parler en puissance qu'en force. Donc les forces, c'est des newtons. La puissance, c'est des watts. Et la seule différence entre les deux, c'est que la puissance, c'est une force fois la Vitesse. vitesse de déplacement de vous-même par rapport au sol. Donc, je vais l'écrire. Et hop, comme ça. Comme ça, comme ça. Du coup, on avait dit que la puissance que vous poussez, Ça, c'est puissance, pas poids. ouais, la puissance à pousser, c'est la force, bah, en vert, hein, du coup, qui était du coup égale à la force en rouge après simplification, fois la vitesse du cycliste par rapport au sol. Celle-là, on va la noter S. Je fais exprès de changer de lettre. Du coup, ça c'est la vitesse du cycliste par rapport au sol, et V c'est la vitesse du cycliste par rapport au vent. Et du coup, on s'est retrouvé avec juste le seul terme que vous devez égaliser, bah, vous luttez contre le seul terme, c'est ce terme-là, en rouge. Donc on avait dit Ouais, ça. oui, fois S, parce qu'on multiplie partout. Voilà, hop. Et je mettrai approximatif pas égal pour être Tout à fait. vraiment orthodoxe. Parce qu'on avait enlevé la force bleue. Voilà. Ignoré. Ignoré. Et pourquoi on avait ignoré? On y arrive. Vas-y, c'est loin, mais c'est beau, hein. Oula, pardon. Hop. Petite fausse manip. Elle était très pertinente. C'est ça. C'était effectivement loin. C'est effectivement très loin. Alors, du coup. Qu'on se rend compte, c'est que effectivement, dès qu'on roule un peu vite, à 40 km/h par exemple, la force de friction de l'air, donc le violet foncé, il vous enlève. Pardon, faut que je bouge plus la souris. Donc en bas là, vous voyez, en bas de l'écran, ça compte pour 270 watts à peu près. Et ce qu'ils appellent rolling résistance, en violet plus marron là, ça compte pour 45. Donc on s'était permis de le négliger. Plus vous êtes léger, plus ça va être négligeable d'ailleurs. Mais c'est une approximation et on en est au courant. Et c'est de plus en plus vrai, plus roulez vite à 50 km/h, la force de roulement ne compte plus que pour 10% de la force de friction de l'air. Donc voilà. C'est pas vrai vraiment sur le plat à basse vitesse. Petite note, si tu reviens aux équations. Donc si je reviens aux équations. Hop. Vous allez observer que la force de roulement, elle ne change pas avec la vitesse. Elle est constante. Oui. Une fois que nous on a une masse, enfin, sauf si on pense qu'on va perdre de la masse parce qu'on transpire. Mais Non, c'est constant. donc
est égale à une constante fois m qui normalement ne change pas énormément pendant un trajet, fois g qui lui non plus il change pas de manière très significative pendant un trajet. Tout à fait. Et du coup, Ça devrait être à peu près ça veut constant. dire que c'est constante. Ici, nous, on a une puissance. Donc, la puissance associée à la force de roulement, c'est F fois V. Donc, ça veut dire la force qui, elle, est constante, mais fois la vitesse quand même. C'est ça. Quand même. Donc c'est pour ça que ici ça augmente. En bas, si Ça vous augmente un tout regardez, petit peu. ici à 55, c'est 61 watts. Ici à 15 km/h, c'est 17 watts. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a la vitesse du cycliste par rapport au sol qui rentre en jeu. Parce qu'il a fait, au lieu de prendre les forces, lui ici, il parle en watts, il parle en puissance. Donc il y a la vitesse qui s'immisce un peu partout. Par contre, déjà, la constante, elle est petite, donc la force en général, elle est assez petite. Et puis, elle n'augmente pas énormément avec la vitesse. La force, pas du tout. La puissance, elle augmente de manière linéaire. C'est ça. Par contre, la force de drague, elle va changer énormément avec la vitesse. C'est ça. Du coup, le coefficient, le K, hop, je rechange encore, le mg fois K que vous avez dans les équations, vous voyez que, donc c'est le truc en bleu là, et ben ici, c'est le 0,0005. Donc c'est pour ça qu'on disait que c'est vraiment tout petit petit. Et la vitesse, pardon, la force de friction de l'air, on a vu que bah, un jour sans vent, en gros, la puissance varie avec le cube de la vitesse. C'est pour ça là, que vous avez cette forme ici en arc. Et si on augmentait avec. Si on avait des vitesses encore plus grandes, ça serait encore plus catastrophique. Ça continuerait de faire une forme un peu exponentielle. Ok, donc ça c'était sur le plat. On va passer au résumé de ce qui se passe en pente, parce que le but c'est C'est quand même pas de faire ça simple. exponentiel, c'est cubique. C'est cubique, oui. Alors, du coup, ce qui se passait en pente. Allez, version optimiste, on va dire que le dessin va passer ici aussi. Donc, ça c'était ce qui se passait sur le plat. Et maintenant, si vous avez un cycliste qui s'attaque à une pente, on avait vu que son poids était toujours là. Il y a toujours la réaction normale. Alors, comme son nom l'indique, la réaction normale du sol, elle est perpendiculaire au sol. Et pour savoir à quel point elle est grande, il faut séparer le poids dans sa composante perpendiculaire au plan et parallèle et la force parallèle au plan. Tout à fait. Donc, il y a cette partie-là. En gros, le poids. Une flèche, un vecteur, en gros, c'est la somme de deux flèches. Donc il y a par rapport au sol, hein, on fait les deux, on fait un axe, on fait comme si le sol c'était abscisse ordonnée, si vous voulez. Donc vous avez ce petit bout-là de flèche qui permet d'aller à gauche, et puis ce petit bout-là, mais on va le faire partir du centre de gravité, qui permet d'aller, là, c'est pas très droit, mais hop, qui permet d'aller jusqu'en bas. Et donc vous avez deux parties dans le poids. Celle qui se fait compenser, encore une fois, par la force normale. Et la seule partie, mais bon, c'est la partie qui nous embête quand on essaie de grimper une montagne. La partie qui est résultante, bah, la partie ici du poids qui vous enlève vers l'arrière, qui vous emmène vers l'arrière, bah, elle vous emmène vers l'arrière. Comme son nom l'indique, genre ça se voit là sur le dessin, elle est compensée par rien du tout. Donc quand ça monte, c'est pour ça que c'est plus dur et qu'il faut pousser plus de watts. C'est parce que vous avez, du coup, le poids. Vous avez toujours la même force ici de roulement qui est toujours égale exactement à mg fois Elle est égale à la force normale fois la même constante. Et oui la force normale, maintenant, c'est pas mg. ah oui non oui ok ouais ok donc c'est égal à ça ouais donc une partie ouais ok bon Fois la constante. fois la constante ouais ok oui. Et ça peut être démontré que n, c'est égal à la masse fois l'accélération gravitationnelle fois le cosinus Le de l'angle cosinus, de du la coup, ouais, pente. ok, d'accord, ok. Est-ce qu'on veut. Bon, c'est un peu compliqué du coup, mais bon. Pour culture générale, c'est plus mg, c'est mg. En gros, c'est. C'est cette partie-là du poids. Pardon. Et du coup,
Il est un peu plus petit. Donc c'est mg fois le cosinus de la pente. Alors du On coup, va la nommer pente, on la va pente. l'appeler alpha. Hop, hop, hop. Et fois la constante de roulement, le 0,005 dans Gribble. Ok. Vous inquiétez pas. Lui, il nous embête. Et il reste assez petit. Donc on va le négliger. Donc tout ça pour ça. Mais c'était juste comme ça, hein. On dit des choses correctes. Il va rester la force de friction de l'air, qui est toujours le drag coefficient en anglais. Donc hop, on va pas s'embêter. On va l'appeler ça comme ça. Et vous avez votre cycliste qui, cette fois-ci, doit, pour avancer, donc il se déplace vers la droite, pour maintenir sa vitesse, donc il attaque la côte, il arrive, hop, il est en bas de la côte, il était à 30 km/h. S'il ne veut pas ni accélérer ni décélérer, donc maintenir sa vitesse, il doit avoir une force verte comme ici tout à l'heure. Il doit pousser une force verte qui soit égale à tout ce qui va à son encontre. Donc la partie ici du poids qui l'embête, la flèche rouge et la flèche bleue. Et donc la puissance. Donc le grand F vert, c'est la force que vous vous poussez sur les pédales, que vous devez appliquer sur votre vélo. Et du coup, c'est bah, les mêmes termes que tout à l'heure, hein. Donc ici, on a toujours les forces de friction dues au vent. On a... Le carré de la vitesse relative à l'air. Ouais. Ensuite. On a... Bon, on n'a pas décrit, mais bon, on l'avait vu l'autre fois. Le terme vert du poids, il ressemble un petit peu... Donc c'est le... Masse, accélération gravitationnelle pour le sinus. Et donc le Là. sin, c'est le sinus. Voilà. Et KR, là. Donc c'est MG, le cosinus cette fois-ci. Alors, si vous prenez... Alors vous allez dire, mais en fait ça ressemble. Pourquoi est-ce que lui, on le négligerait et lui, il nous embête si fort dans les montagnes? En fait, c'est que si vous prenez un cercle, en gros, vous mettez un petit peu ce stylo qui... hop. Donc ça va être votre angle. En gros... Non, je suis en train de dire des bêtises. Et les gros yeux du directeur Non, le sportif. cosinus, il va être grand. C'est juste que ton KR, ta constante est toujours très petite. C'est vrai ça. Donc j'arrête ça tout de suite, je suis en train de m'enfoncer. C'est juste que comme K est tout petit, effectivement, ça va rester tout petit. Donc en vélo, Pour être dans des sincère, pentes. entre la force bleue et la force rouge, quand on monte, d'habitude on ne monte pas avec une vitesse de folie. Donc là, les deux forces ne vont pas être si radicalement différentes pour pouvoir les ignorer l'une par rapport à l'autre, la rouge et la bleue. Par contre, la MG sin alpha, elle risque d'être assez importante. Ça dépend de l'angle. Yes. Du coup, si on prend... Alors, on va prendre un exemple. Et on va voir quel terme on va pouvoir... On va négliger, en gros. Donc là, on reprend toujours ce site ici. Et ici, sur cette ligne-ci, vous pouvez indiquer la pente. Donc si on met 10%, par exemple. Donc sur une pente à 10%, on retrouve bien trois termes qui s'opposent à nous, qui vont vers le bas. Donc en rouge, tout simplement, c'est ce que vous devez pédaler. Donc c'est notre F. Vert dans la formule. Si je passe là sur Jamboard, c'est notre F vert. Désolé, hein, je regarde pour que ce soit bien affiché chez vous. Ouais, ok, parfait. Et du coup, les trois termes qui sont à droite du signe égal, bah, c'est les trois couleurs de courbe qu'on a ici sur le site. Donc il y a le petit terme, alors on va dire, allez, quelqu'un d'humain, donc 15 km/h. Hop, je sais pas pourquoi il n'aime pas du tout les switches, ça fait des signes kabbalistiques, désolé. Du coup, à 15 km/h,
Vous avez là des compositions en dessous. Vous voyez que la force du vent est très faible. La force de friction du vent, elle augmente avec le carré de la vitesse, mais du coup elle diminue aussi du coup avec le carré de la vitesse. Donc du coup quand vous avez 14 km/h, 14 km/h en plus, comme ça s'exprime en mètres par seconde, c'est vraiment tout petit. Bon bref, on fera une Ça, application numérique juste c'est après. en pensant qu'il n'y a pas de vent. Et donc, sur ce site, je pense que le vent est ignoré. Il y a juste la friction C'est ça. Là, le vent, du ici, on l'a mis à cycliste zéro. avec l'air. C'est ça. C'est à quelle vitesse lui, il essaye de travailler. Il essaye, pardon, de traverser l'air. Mais il n'y a pas de vent de face. C'est vraiment le déplacement de lui. En gros, là, regardez, si je mets 100 km/h de vent en face, forcément, le truc violet va augmenter. Parce que, voilà, ça augmente avec le carré de la vitesse. Donc, forcément, si vous essayez de lutter contre énormément de vent, vous allez retrouver de nouveau beaucoup de friction d'air. Mais là, dans le cas où il n'y a pas de vent, en montée, vous allez lentement, très peu de friction, donc le terme violet foncé, très peu de roulement, c'est ce qu'on De disait tout à friction. l'heure. En fait, mg cosinus alpha, c'est beaucoup, c'est comme le poids, mais le coefficient de frottement ici au niveau des pneus est très faible. Bon, c'est des valeurs par défaut, hein, mais bon, c'est les ordres de grandeur là qui nous intéressent. Et toute la déperdition, en fait, c'est le bleu-vert, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on décrit cette couleur. Et du coup, c'est notre terme MG. Donc M, c'est la masse du cycliste. G, Accélération l'accélération gravitationnelle. gravitationnelle. Bon, c'est un nom barbare, mais c'est 10, quoi. C'est 9,8. 9,81. C'est, bref, je pense que vous l'avez vu. Je pense que ça, c'est une valeur qu'on voit en terminale, au lycée, en tout cas, je pense qu'on la voit. Mètre par seconde carré, pour être. Voilà. Et donc plus la pente augmente, plus le sinus augmente. En gros, dans l'équation, vous avez mg, donc ça c'est bah là, le poids ne change pas, le g ne change pas, et donc le sinus de la pente, plus la pente est forte, plus sinus de la pente augmente quand vous augmentez la pente. Donc plus vous allez aller sur des pentes fortes, plus la force de gravité qui vous tire vers le bas augmente. Donc si ici je mettais, donc là à 15 km/h, vous avez 336 watts qui partent, qui vous retiennent vers l'arrière. Donc on avait dit 336, je double la pente et on passe à, c'est ici 15 km/h, du coup on passe à 666 watts. Donc 80% de watts en plus à pousser si on veut juste maintenir sa vitesse. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on parlerait? Oui, on avait dit que on essayerait de faire une application numérique. Ben bon, ça se Et voit du coup sur le site, mais. le petit bout de rappel qui était intéressant pour ces deux cas-là, c'était qu'on montrait que pour maintenir sa vitesse quand on est sur le plat, ce qui compte, c'est la puissance totale qu'on peut dégager. Tout à fait. La masse peut être négligée. Par contre, quand on essaye de grimper, là, la masse est bien présente dans l'équation et c'est plutôt la puissance divisée par la masse qui va nous dire à quel point on peut maintenir une vitesse en montant. Tout à fait. En gros, ici, si de la même manière en dessous, pour être complet, ici vous avez. Donc en haut, on avait parlé de la puissance pour maintenir sa vitesse. Si on le fait en bas aussi, et ben la puissance, c'est la force fois la vitesse de déplacement du cycliste. Les termes Et donc on rouge a et des bleu, services. on a vu qu'on pouvait les négliger. Oui, pardon, j'avais appelé ça S tout à l'heure pour éviter la confusion, justement. Et du coup, ça, c'est égal à mg sinus alpha S. Donc S, on a dit, c'était juste pour pas l'appeler V, c'est la vitesse du vélo par rapport à la route. Approximatif puisqu'on a négligé les deux Donc c'est porteurs à peu près ici. égal à ça. Je dis à peu près égal parce que entre la ligne du dessus et celle-ci, j'ai dégagé les termes rouge et bleu. On vient de voir sur le site que quand la pente est très forte, on pouvait se permettre de faire et qu'il n'y avait pas de vent, et que vous n'avez pas un vélo qui frotte à mort sur la route. Du coup, avec toutes ces approximations, on pouvait voir que c'était à peu près le cas que. Il n'y a que le poids
que la résultante, la partie restante du poids qui vous intéresse. Et donc la puissance que vous poussez, elle dépend. La puissance à pousser pour maintenir votre vitesse, elle dépend directement de votre poids. Elle est proportionnelle au poids. Donc chaque kilo gagné, c'est autant de puissance en moins à pousser. Et on voit aussi, alors il y a un truc qui est intéressant, si vous poussez plus de puissance, la relation avec la vitesse à laquelle vous vous déplacez, elle est linéaire. Donc si vous poussez deux fois plus de puissance, vous allez deux fois plus vite. Ici, c'est pas le cas. Ici, on dit que. Donc là, c'est la vitesse du cycliste par rapport au vent. Donc un jour où il n'y a pas de vent, la vitesse du cycliste par rapport au vent, c'est la vitesse du. C'est Du... S C'est la cube. même que la vitesse du cycliste par rapport à la route. Donc c'est S carré fois S. Donc c'est S au cube. Donc là, je suis passé à S au cube parce qu'on a dit que on était un jour où il n'y avait pas de vent de face, pas de vent d'eau. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que Pour doubler la vitesse. la vitesse. Alors, je repasse un peu en haut, c'est un peu sale, dégueulasse, mais donc la vitesse que vous avez, on avait vu l'autre fois déjà. Que c'est la racine cubique de la puissance divisée par une constante, enfin une quasi-constante, fois l'air. Donc c'est un quart. Et du coup, pour augmenter votre vitesse, vous devez augmenter votre puissance de manière cubique, en gros. Pour doubler la vitesse, il faut multiplier la puissance par 8. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez doubler votre vitesse sur le plat, de passer de 40 à 80 km/h, vous devriez octupler, donc faire x 8 sur la puissance. C'est pour ça qu'il y a très peu de coureurs qui arrivent à 80 km/h et qu'il n'y a personne qui arrive à 160 km/h. Alors qu'ici, doubler sa vitesse sur une accélération en montagne, c'est possible. Pendant un très court instant. Mais là, vous dilapidez votre puissance dans le dans l'air, en fait, dans le la résistance de l'air est trop forte. Et ben voilà, c'est pas mal. Ah d'ailleurs, alors je sais pas si vous avez déjà vu ça. Est-ce que je vais trouver vite la vidéo? Le record du monde de vitesse d'un vélo, c'est 200 km/h, je crois. Mais justement. Il y a une astuce, c'est comment est-ce qu'ils arrivent? Et ben c'est tout simplement en suivant. Voilà, parfait ça. Alors du coup, oui. Est-ce que sur le stream, qu'est-ce que ça partage? Si je mets ça là, je vais regarder directement sur la scène. Parfait. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Du coup, pour pouvoir atteindre cette vitesse-là, en fait, le terme contre lequel vous luttez vraiment, c'est pas, il faut pas des gros mollets, il faut juste, un, pas avoir peur de mourir, ou enfin, ne pas avoir trop de regrets si vous mourrez, parce que vous vous cassez la figure quand même à 200 km/h. Et en fait, ce que vous voulez, c'est que, ce que vous voyez, pardon, sur la vidéo, c'est que elle suit, je crois que c'est une femme, hein, elle suit une voiture qui, en fait, la protège complètement du vent. Donc elle se met en fait juste derrière un espèce de caisson qui coupe complètement le vent. Et bon, et du coup vous éliminez complètement le terme qui fait que c'est impossible de seul sans quelqu'un pour vous couper le vent, c'est impossible d'atteindre ces vitesses-là. D'ailleurs c'est j'allais dire 190 km/h, non c'est pas 190 km/h, c'est 190 Non, miles par heure, donc c'est encore pire, c'est c'est combien du coup? 1,5 à peu près. Je peux tricher. Ouf. 305. 305 km/h, pas de soucis. Tout va bien. Donc voilà.
Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dernière partie, en descente. Et du coup, en descente. En descente, on est dans un cas un tout petit peu différent. Parce que déjà, on est dans un cas qui a besoin d'avoir une page blanche. Et on a surtout. On a plus d'amis que Jusque-là, des ennemis. c'est ça. On est dans un cas, c'est exactement comme disait le directeur sportif, on a plus d'amis que d'ennemis. Et surtout les gros. Du coup, ce qui se passe, c'est que jusque-là, on regardait comment maintenir sa vitesse. Alors on fera des vidéos après sur comment accélérer ou ralentir. Mais là, c'est en fait ce qui se passe. On peut toujours voir comment qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on maintienne une vitesse. Ok. Donc on va regarder si dans l'état où le cycliste a atteint sa vitesse maximale, qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles sont les forces en présence? Donc, vous commencez à les connaître. Vous avez la force ici, la rolling résistance. Vous avez la force, oh là là, c'est magnifique ça. Vous avez la force de friction de l'air, drag coefficient, sauf si vous avez une voiture qui roule à 300 km/h à 10 cm devant votre roue. Et vous avez Les deux les deux composantes. composantes du coup du poids. Donc il y a celle qui permet. Donc c'est cette flèche noire là, se Je la décompose fais en deux. toujours trop courte, celle-là. Ouais, et ben tant pis. Et du coup, vous avez aussi Ces la vecteurs réaction. verts sont trop courts. Du coup, vous avez la réaction normale du sol qui empêche le cycliste de s'enfoncer dans le sol, qui compense parfaitement cette flèche verte. Donc la flèche verticale noire et la flèche verticale verte se compensent exactement. Par contre, cette fois-ci, ce qui reste du poids tire le cycliste vers l'avant. Donc la pente, on va toujours l'appeler ça alpha, parce qu'on a toujours appelé ça alpha en physique et que ça me perturberait de ne pas avoir alpha. Les angles d'ailleurs en physique, quand vous faites des applications numériques, c'est des radians. Voilà, c'est pas des degrés, c'est pas des pourcentages, c'est des radians, c'est encore différent. Et donc qu'est-ce qui nous reste? Ben, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Alors il peut pédaler, mais là pour l'instant on va dire qu'il pédale pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quelle vitesse il atteint une fois qu'il atteint l'équilibre en fonction de la pente. Donc, ce qui se passe, c'est que le poids en vert le tire vers l'avant. Lui, de la même manière qu'on avait tout à l'heure, bah, il est égal. Sinus. Sinus? Pourquoi Sinus. sinus? On peut le redémontrer, mais c'est la force, la composante Pardon. parallèle au sol du poids, c'est proportionnel au sinus de l'angle. C'est démontrable. Veux bien que tu. Allez, on le refait parce que l'autre fois. Ok. Donc ici, on a 90 degrés. Exactement. Donc ici, on a 90 moins Moins alpha. alpha. Alors pourquoi on sait ça? Parce que la somme des angles d'un triangle fait 180. Donc ici, le bêta, c'est 90 degrés moins alpha en degrés. Quand tu regardes ta décomposition, le même angle, tu l'as. T'as deux Des trucs qui angles, sont ce qu'on appelle parallèles. alterne-interne. Ouais. Ok. Montre. Oui. Et Donc donc? montre qui est bêta dans la décomposition des forces. Voilà. Et ici, là, c'est Oui. le même. Vous Exactement. avez bêta ici de nouveau. Et comme ce bêta fait partie aussi d'un angle droit entre les deux composantes du Ici, poids. Ça veut dire que l'autre partie, donc la différence entre l'angle droit et bêta, ben c'est alpha parce que c'est comme on a l'équation en bas et on sait c'est que c'est ça, vrai. tout à fait. Donc ça veut dire que Parce que l'autre angle est ici, c'est alpha. 90. Donc en fait, la petite partie qui reste ici, là,
C'est 90 moins bêta. Donc c'est 90 moins alpha. Donc il reste plus alpha. Donc le ici l'angle, c'est alpha. Et Ok. donc on voit que dans le triangle rectangle fait par les deux composantes du poids et le poids, il y a cet angle alpha. Et la composante qui nous intéresse, c'est celle qui est parallèle à l'angle. Donc, Du coup, c'est le sinus alpha. effectivement, la partie qui nous tire vers l'avant, c'est le sinus. Yes, ça marche. Bonne soirée, Christophe. C'est compréhensible ou pas? Juste comme ça, à la volée. Ou est-ce qu'il y a des trucs que c'est complètement imbitable si t'es encore là. Donc ça, c'est la partie qui vous tire vers l'avant. Et du coup, puisqu'on pédale pas, on sait que quand on atteint la vitesse à l'équilibre, il équivaut. Alors là, du coup, le train est un peu court, ou alors surtout lui est un peu long. Il compense exactement les deux autres forces en présence, donc la force de friction, pardon, un plus là, la force de friction et la force de roulement derrière sur les roues. Du coup, On sait que la force de drague, elle est proportionnelle au carré de la vitesse relative au vent. Plus là, c'était mg cosinus alpha fois le kr. toujours ces constantes. Et du coup, Donc là, on a une équation qu'on pourrait résoudre pour obtenir la vitesse. qu'on passe ce terme-là de l'autre côté. Et du coup, je vais le faire directement. Donc, la vitesse, c'est... Donc, j'ai passé ce terme-là à gauche. Il reste juste ça qu'on va diviser à gauche par ça. Et on avait le carré, donc ça va être tout simplement la racine de ça. Et donc vous voyez que il y a plusieurs termes qui rentrent en compte. Donc si vous voulez aller plus vite, bah, il n'y a pas 36 moyens. La pente. Sans pousser. Oui, pardon. Donc là, vous ne poussez pas. La vitesse que vous a... que vous... La vitesse relative du cycliste par rapport au vent, d'ailleurs. Donc un jour sans vent, c'est la vitesse du cycliste sur la route, tout simplement. Elle augmente d'autant plus que le sinus alpha est grand par rapport au cosinus de alpha. Donc, que la pente est Donc grande que et la pente est grande. grande, parce que là, cette fois-ci, on peut utiliser ça. Je voulais vraiment faire Je ton voulais vraiment blague. le montrer, c'est ça. Donc là, si vous avez alpha, ici, c'est le sinus. Cosinus. Sinus, pardon, 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 Sinus, pardon, pardon. ouais. De temps en temps, c'est moi qui ai raison. 90%, ça va être le directeur sportif, mais de temps en temps, c'est moi qui ai raison. Donc, le sinus d'alpha est d'autant plus grand par rapport au cosinus que l'angle alpha augmente. Et voilà, du coup, KR, si KR est tout petit, pareil, la vitesse va augmenter. Donc si vous avez très peu de frottement au niveau des roues et tout ça, forcément vous allez aller plus vite. Donc ça vient de là. Enfin, ça vient de là, ça se démontre, c'est ça que je veux dire. Et vous avez... La masse. Donc ici, la constante, s'il y en a que ça embête, on donne un mini bout d'information comme ça. Sans spoiler complètement, ce K, dans le K, il y a des termes que vous allez connaître, c'est 1 demi
de rho, donc ça, bon, ça, on peut rien y faire, hein. Donc 1/2, on peut rien y faire non plus. Rho, c'est la densité de l'air. Et CD, donc le fameux CD de CDA. Donc là, CD, c'est une valeur qu'on est obligé de déterminer empiriquement. Ce qui est, et c'est juste des valeurs qui sont souvent faites en soufflerie, en fonction de la Sont forme de déterminés. l'objet. Voilà. Et donc A, par contre, ce terme-là, il est plus facile à connaître. Du coup, c'est plus l'air est petite, moins vous divisez, donc plus la vitesse est grande. Voilà. Donc en descente, c'est pour ça qu'ils essayent de minimiser l'air et que vous voyez du coup qu'ils se mettent dans des positions plus ou moins dangereuses et plus ou moins interdites par l'UCI en descente. Et Donc ça, c'est la vitesse. puisque la masse est dans la partie haute de l'équation, Ouais. ça veut aussi dire que le plus on Le a plus gros le plus gros, gagne. le plus En vite on gros, va. à R identique, le plus gros gagne. Donc pour répondre au titre du stream, pourquoi Bob Jungles se débrouille mieux en descente que Thibaut Pinot? C'est tout simplement que à R équivalente, donc sachant que la masse, alors à Gaba, si vous avez ce bonhomme, donc ça c'est Thibaut Pinot, et après vous avez Bob Jungels, donc c'est à l'échelle hein, évidemment. Pour passer de là à là, l'air elle augmente avec le carré du gabarit. Donc c'est une fonction carré. Mais la masse, elle augmente comme une fonction au cube. Du coup, ce qui se passe, c'est que, ok, pour quelqu'un de plus grand, par exemple, à morphologie équivalente, pour quelqu'un de plus grand, ou proportionnellement plus grand, on va dire. Ok, son air va augmenter beaucoup au carré, mais sa masse qui est ici va augmenter encore plus parce qu'elle va augmenter au cube. Occupe des quoi? Occupe d'une dimension typique. Oui, voilà, yes. Et donc, du coup, je crois que Bob Jungels, il fait 70 kilos et Thibaut Pinot, il fait 63 kilos. Donc, ça lui fait un gros avantage. Et donc, en descente, non technique, en ligne droite, à aérodynamisme, souplesse et proportionnel, genre équivalent, même si le gabarit est plus grand, un plus gros rouleur de souplesse équivalente de son lui-même copier-coller en échelle 1,5, le plus gros ira plus vite. Sans pédaler, donc juste en se laissant aller. Après, il y a toute la partie, si vous poussez, si vous pédalez, ben vous rajoutez une force. Et du coup, voilà. Sauf que là, encore une fois, généralement, le plus gros est capable de pousser plus. Le seul petite subtilité là-dedans, c'est si vraiment la descente est très technique et que vous faites des descentes en lacet comme ça, à chaque fois que vous arrivez dans un virage, si vous devez freiner beaucoup et relancer, l'accélération favorise les poids légers. Parce que pour mettre. En gros, c'est. Imaginez, vous avez un petit caillou sur la route et un énorme rocher. Pour faire avancer le petit caillou, vous pouvez donner un petit coup de pied dedans et il va commencer à partir, il va se mettre en mouvement. Alors qu'un énorme rocher, il faut énormément de force pour commencer à le mettre en mouvement. Donc, pour accélérer un objet, ça dépend de sa masse. Du coup, forcément, si c'est une suite de plein de petites accélérations, un léger dans une descente technique peut être avantagé. C'est vraiment dans les descentes toutes droites bien pas techniques que les gros vont profiter de leur avantage. Donc les faux plats descendants en ligne droite, etc. C'est parfait pour les gros. Je pense que on a refait un peu le tour de ce qu'on voulait.
On peut aussi s'amuser à réfléchir qu'est-ce qui se passe quand la pente est très très grande, d'après ton équation. La vitesse, si on se laisse aller sans rien faire, la vitesse maximale va augmenter beaucoup beaucoup. Et si on ne veut pas qu'elle augmente autant parce qu'on veut quand même survivre à l'expérience, là on va freiner. Et quelle partie de l'équation est-ce qu'on affecte quand on freine? C'est bien le KR, c'est la constante de friction en roulement. Parce que quand on roule, on change, pardon, quand on freine, on va changer la manière dont la roue interagit avec le sol. Donc c'est cette constante-là qu'on change. Donc on fait augmenter tout ce terme qui est un négatif dans notre formule, ce qui veut dire qu'on va diminuer la vitesse de cette manière-là. C'est ça, on peut augmenter le frottement. Et on se redresse sur son vélo. Donc généralement, on augmente son air. Et comme on augmente son air, ben, ça nous fait freiner. Ben voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, comme ça reste à peu près OK, à peu près compréhensible. Ça reste. Bon, j'espère que c'est abordable. J'espère que ça vous plaît. Ou vous pouvez nous dire. Là, c'est encore un stream de quoi, un quad neuf docteur physique et physique du vélo parce que c'est rigolo et je pense que c'est assez simple du coup à expliquer. En utilisant juste des concepts assez simples de physique, C'est ça. On arrive à on peut comprendre redémontrer plein et de à choses. comprendre pourquoi les gens font les choses comme ils le font dans la vraie vie, pourquoi les gens, bah, de remontrer par les équations ce que les gens ont par intuition en fait. Mais ça permet aussi, si vous avez un débat avec quelqu'un sur Zwift, sur est-ce que c'est les watts qui comptent ou les watts par kilo, il suffit de reprendre ces équations-là pour se rendre compte que eh ben, ça dépend de si c'est sur le plat, sur le pas plat, est-ce que le jeu a négligé du coup les forces de frottement de la roue, est-ce qu'on est sur du gravel, est-ce qu'on est sur de l'asphalte, est-ce qu'il y a du vent de face, parce qu'on l'a. Est-ce qu'il y a Souvent, devant de dos? est-ce qu'il y a du vent du dos, de vent de dos, tout à fait, est-ce qu'il y a du draft? Bon bref, ça commence à se compliquer, mais tout part de là. Donc moi je trouve ça intéressant, parce que une fois que c'est compris, bah, c'est applicable. Et une fois que c'est compris, il n'y a plus besoin ce qui est compris n'est plus à apprendre. C'était la phrase. Punchline. C'est ça. La catchphrase de la chaîne. Scientifique qu'on avait. Et ben moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous revois mardi soir pour un stream directement sur le vélo, cette fois-ci avec un entraînement tiré directement de Sufferfest et qui s'appelle Very Dark Place. Donc, que du bon. Sauf s'il fait Par 38 35. degrés. Voilà, c'est ça. Alors, modulo, la canicule dans l'appartement. Donc, normalement, le workout est court, donc ça devrait aller, mais on verra bien comment ça se passe. Et puis fin de semaine, peut-être la pierre Saint-Martin en réalité, et du coup ça sera cool. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Merci encore au directeur sportif de surveiller que je dise pas trop de conneries. Dites-nous du coup si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous apprenez des choses, si vous trouvez ça cool que quelqu'un fasse ça. N'hésitez pas à partager aussi, même des petits bouts de la vidéo si besoin, si jamais ça peut vous aider à gagner un argument au bar. Et je vous souhaite bonne soirée et surtout, d'ici là, restez curieux. Salut, salut! Ciao!